Bonjour, monsieur Medjadim Seguin, bonjour. Bonjour madame. Alors la violence dans le milieu scolaire devient par la force des choses une préoccupation réelle si on se réfère aux chiffres. En 2014, plus de 40 000 cas de violence ont été recensés. Alors comment qualifiez-vous ces chiffres aujourd'hui, monsieur Medjadi, aggravés par les derniers événements, trois lycées incendiés en 10 jours par leurs élèves. Il y a eu celui de Blida, plus exactement Bougara, il y a eu celui de Baraki et Ibn Haytham à UCNB. Effectivement, ces derniers jours, nous avons constaté une accélération de vandalisme dans certains établissements, notamment dans les lycées. Pour certains, je vous prendrai l'exemple du lycée de Hussein Dey, c'est beaucoup plus lié à un rituel que font les élèves à 100 jours du baccalauréat, de fêter l'événement, mais cette fois-ci, il a mal tourné, puisque, utilisant des fumigènes, ils avaient provoqué un incendie dans deux classes, causant la destruction de tables, de chaises et de mobilier divers. Si vous prenez par exemple le lycée de Braki, la même chose, des élèves ont introduit des fumigènes en utilisant des subterfuges permettant ainsi à l'administration de ne rien déceler à travers ce stratagème, ce qui fait les 7 élèves qui ont été incriminés dans cet acte, ont été identifiés et passeront au conseil de discipline et ils seront sévèrement sanctionnés selon le règlement intérieur qui prévoit les sanctions, etc. Si je prends par exemple l'exemple de Blida, la même chose, il y a eu un acte volontaire de destruction. Ce sont des personnes qui sont introduites de l'extérieur d'établissement et généralement ce sont des élèves qui étaient exclus de l'établissement. Et nous avons constaté par exemple qu'en Baraki, il y avait un élève exclu qu'on a retrouvé parmi les élèves qui avaient provoqué cet incendie. Donc, le règlement intérieur autorise l'établissement à passer les élèves en conseil de discipline et à sévir sévèrement lorsqu'il s'agit de dégradation. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, monsieur Mseguin, alors c'était un rituel à 100 jours du bac qui malheureusement a pris feu, des élèves qui se sont introduits dans l'école alors qu'ils n'avaient pas droit d'y être, mais ces derniers événements sont-ils une conséquence d'un laisser-aller, d'une démission ou de l'incompétence du personnel administratif? Parce qu'on ne peut pas rentrer dans une école comme ça, monsieur Medjadi. D'abord, comment nous pouvons définir ces phénomènes-là? C'est une transgression violente de l'ordre scolaire. Ce sont des élèves qui, au départ, ont été bien informés du règlement intérieur, le règlement a été communiqué aux parents, donc ils étaient conscients que ces actes provoqués dans les établissements étaient répréhensibles et qui allaient être sanctionnés. Effectivement, c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, et là, je peux vous dire que quelque part, l'école n'a pas assumé ses devoirs vis-à-vis de la formation des élèves, puisque la deuxième finalité de l'école algérienne, c'est l'éducation à la citoyenneté. Donc, si vous me permettez que je reprenne un petit peu ce qui est noté dans la loi d'orientation concernant la formation à la citoyenneté, alors c'est une éducation des comportements visibles comme la politesse, la civilité, le dévouement, la préservation des patrimoines, le respect des biens, le respect de la vie, de l'amour du travail, la solidarité, etc. Ce sont des valeurs que l'école doit inculquer. Malheureusement, l'acte pédagogique actuellement, dans nos classes, est un acte qui ne permet pas d'installer ces comportements. Mais qui en est responsable aujourd'hui, monsieur Mseguin? La responsabilité, je le répète, elle est partagée. Je ne dis pas que c'est uniquement l'école qui en est responsable. Je dis que l'école est responsable à travers son programme d'éducation qui n'a pas fonctionné. Et je dis que l'école, la société aussi, ne permet pas le développement de ces comportements, puisque ces comportements de vandalisme et de non-respect, nous les retrouvons en dehors de l'école. Mais on ne peut pas faire introduire dans une école des fumigènes sans être contrôlé. Est-ce que ces événements sont une conséquence d'un laisser-aller au niveau déjà de l'administration de l'école en question, monsieur Effectivement, effectivement, l'encadrement est quelque part responsable de ce phénomène, puisque il s'agit de mettre en place un programme de sécurité, un programme de vigilance permettant de détecter tous les éléments néfastes à l'ordre de l'école, notamment en prévenant
tous ces phénomènes, malheureusement, quelque part, il ne faut pas oublier que, par exemple, si vous prenez le lycée de Berraté, il se trouve à la limite de Bentalha, que nous connaissons très très bien, et que c'est une société qui a vécu beaucoup de problèmes, et l'environnement actuellement dans certains établissements est très difficile, et maintenant il faut aider ces établissements à sécuriser la vie à l'intérieur des établissements. Mais pour dire les choses franchement, est-ce que le personnel administratif a une part de responsabilité également dans ce qui s'est produit? Il a une part de responsabilité puisqu'il ne prend pas toutes les mesures qu'il faut pour contrôler les élèves à la rentrée. D'ailleurs, les fumigènes ont été introduits selon l'enquête qu'on a faite, non pas par des garçons, mais par des filles, alors que le contrôle se faisait uniquement sur les garçons. Alors, l'enquête est en cours, vous allez sévir, lourdement sanctionner, monsieur Mseguin. D'abord, toutes les dégradations seront imputées aux parents. C'est les parents qui vont payer toutes les dégradations qui ont été commises par leurs enfants, et les enfants responsables de ces actes de vandalisme passeront devant le conseil de discipline, et le conseil de discipline sévira puisqu'il y a dégradation de biens publics, donc ça pourra aller jusqu'à la radiation. Mais pour l'école Ibn Haytham, c'est les parents qui ont tout remboursé, tous les dégâts. Tous les dégâts ont été remboursés et l'affaire est en justice. Alors justement, monsieur Medjadi Mseguin, moi j'avais parlé de quelques chiffres au début de cette émission. J'ai donné par rapport à l'enquête qui a été menée en 2014, plus de 40 000 cas de violence ont été recensés, mais cette violence est exercée de part et d'autre. L'élève est tantôt auteur et tantôt victime de faits de violence. Sur les 40 000 cas de violence recensés en 2014, il y a eu 6 099 cas, c'est des cas de violence des élèves qui ont battu leurs enseignants, malheureusement, et à l'égard également du personnel administratif. 4129 cas entre personnel enseignant et administratif contre des élèves, ça c'est l'inverse qui s'est exercé, et 745 actes de violence entre personnel enseignant et administratif. Comment vous qualifiez aujourd'hui cette situation, qu'un élève soit amené à frapper son maître, et inversement, monsieur Mseguin? Les 40 000 dont vous venez de parler, je peux vous dire que c'est un nombre en deçà de ce que nous connaissons, puisque les actes de violence, il y a même des actes passifs. Un élève qui est dans une classe et qui, par exemple, ne s'intéresse pas à ce que fait l'enseignant, est un acte passif de violence, comme s'il reniait ce que faisait l'enseignant. Et c'est un acte qui provoque un conflit entre l'enseignant et l'élève. Si on revient au type de comportement de violence, vous avez des raquettes, vous avez des insultes, vous avez des vols, vous avez des menaces verbales, vous avez des bagarres, vous avez même du vandalisme, vous avez même des rumeurs. Même la rumeur est un acte. Donc ce qui fait, ce sont des phénomènes qui existent actuellement à l'école et qu'il faut, par un plan de prévention, il faut éduquer les enfants à respecter le code de règlement intérieur. Ça, c'est primordial. Donc, respect de la vie de l'école. Et c'est un aspect très important qui n'est pas encore pris en charge. Vous avez, par exemple, l'acte pédagogique de l'enseignant. Souvent, l'acte pédagogique engendre de la violence. Donc, même sur le plan pédagogique, nous devons former les enseignants à gérer correctement leur classe. Vous avez, par exemple, le problème de pilotage. Nous avons le chef d'établissement. Actuellement, la majorité sont dans l'incapacité de gérer les conflits, sont dans l'incapacité de prévoir les conflits. Donc nous avons tout un programme de formation que nous devons développer pour réduire ces phénomènes qui sont en train de s'amplifier dans nos écoles. D'accord, si je m'en tiens à ce que vous déclarez à l'instant, M. Mseguin, donc la situation est pire que ce que j'annonçais déjà par rapport au chiffre de 40 000 cas de violence recensés. Oui, nous avons des actes élève-élève, des actes élève-prof, nous avons des actes prof, administration, élève, etc. Donc nous avons toute une panoplie d'actes de violence qui sont actuellement soit en situation de latence, soit visibles, et qu'il faut impérativement prévenir, parce que si on ne les prévient pas, en mettant par exemple des psychologues scolaires, en augmentant les conseils d'orientation, donc toutes ces ressources peuvent contribuer à être à l'écoute, à intervenir en cas de conflit,
ou bien à prévenir ce conflit. Mais c'est des actes qui sont portés à votre attention au niveau du ministère, puisque vous m'avez déclaré tout à l'heure qu'il y a des cas qui sont en justice actuellement. Nous avons énormément de cas à travers les wilayas, où les parents, par exemple, sur la base d'un certificat médical, déposent plainte. Nous avons certains enseignants aussi qui déposent plainte contre des élèves, qui portent de plaintes contre des parents d'élèves. Donc nous avons un grand nombre de conflits qui sont actuellement au niveau de la justice. Pourtant, il est interdit à l'enseignant de frapper l'élève. Il y a 2 décrets en ce sens et il peut être ou licencié ou ester en justice. Même, pourtant, ça s'exerce encore. En cas de sanction, en cas d'acte de violence d'un enseignant sur un élève, l'éducation est partie civile pour l'élève, pas pour l'enseignant. Nous nous portons partie civile. Nous défendons l'intérêt de l'élève vis-à-vis du conseil. Il est impératif pour vous d'aller vers la création d'un service social en charge d'écoute, conseil et soutien par rapport à ce phénomène. Effectivement, d'abord, il faut mener une politique partenariale. Par exemple, avec le ministère de la Culture, avec la Jeunesse et l'Espoir. Donc nous avons des structures qui nous permettent de nous accompagner dans cet effort-là. Vous savez très bien, madame, que nous pêchons par un grand retard en matière culturelle. Ni théâtre, il n'y a pas de théâtre. Il n'y a pas des activités culturelles permettant aux enfants de s'épanouir dans des domaines très variés. Le sport est encore délaissé. Donc tous ces aspects-là, nous allons vers ce partenariat. Et madame la ministre est en train de signer à chaque fois une convention. Nous avons signé une convention avec la culture, avec la jeunesse des sports, avec la formation professionnelle, avec les affaires religieuses, tout ça pour que tout ce secteur accompagne le secteur de l'éducation dans le développement de cette éducation. Et Madame la Ministre prévoit aussi le recrutement de psychologues, de renforcer l'encadrement par des conseils d'orientation, parce que ce sont des éléments indispensables au niveau de l'écoute et au niveau de la prévention des conflits. Alors, écoute, conseil et soutien pour tous, élèves, enseignants et personnel administratif. Absolument, absolument pour tout le monde. Et là, l'objectif, et je le dis, c'est avant tout prévenir la violence. Ce n'est pas régler le problème de la violence, mais prévenir d'abord le problème de la violence. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'alcool qui s'introduit au niveau des écoles, la drogue également, est à l'origine de ce phénomène de la violence exercée par les élèves? Puisque l'année dernière, par rapport à l'enquête que j'ai mentionnée tout à l'heure, 132 cas ont été recensés, c'est-à-dire appréhendés en flagrant délit, en train de fumer de la drogue dans l'établissement. C'est sûr et certain que nous avons beaucoup de cas dans ce que vous venez de soulever, et que ce phénomène de la drogue, de la boisson, où les établissements se trouvent dans un environnement qui est agressé en permanence, constitue actuellement un fléau sur lequel nous devons, que d'autres secteurs doivent intervenir avec nous pour sécuriser l'espace de l'école, qui actuellement, malheureusement, nous avons beaucoup d'établissements qui se trouvent dans un environnement très difficile. Aux abords de l'école, vous parlez. Aux abords de l'école, et qu'il faut aider impérativement à contrer ce phénomène. D'autres services ou d'autres secteurs, c'est lesquels exactement? Vous parlez des services de la DGSN, par exemple. Ne plus tolérer que de la cigarette soit vendue aux abords des écoles. Par exemple, même le parcours des élèves sur certains établissements, il faut les sécuriser. Actuellement, dans le monde entier, il y a un indice de calcul de la qualité de l'environnement. Actuellement, cet indice il est lié au nombre de cas de violence qui s'exercent en dehors de l'école. Malheureusement, nous avons beaucoup d'établissements où les cas de violence à l'extérieur sont importants. Alors, la réforme de l'école est chantier trop grand. Est-ce que vous prenez en considération tous ces aspects, en plus, bien sûr, des aspects pédagogiques, puisque nous sommes à l'approche un peu des examens. Le bac blanc, c'est le 17 mai prochain. Effectivement, nous ne pouvons pas améliorer le rendement scolaire si nous nous occupons uniquement de pédagogie. Il faut mener tout de concert, que ce soit au niveau de la formation intellectuelle, que ce soit au niveau du sport, au niveau des aspects culturels, au niveau de la sécurité, et apprendre à nos enfants à avoir des comportements civiques. C'est ce que, sur lequel nous avons, je peux le dire, pratiquement échoué. Mais comment elle se décline cette réforme? Comment vous allez faire? Vous avez échoué, c'est ce que vous dites? Oui, parce que pourquoi? Je dis l'acte pédagogique, je vous avais dit que l'acte pédagogique pour l'enseignement,
de la, par exemple, du civisme, nous sommes encore dans la mémorisation. On fait apprendre à nos enfants des éléments qui doivent être des comportements. Par exemple, je vous dis un exemple, on apprend aux enfants, je dois respecter, je dois préserver les édifices publics. Ça, on l'écrit, on l'apprend et on le restitue. Mais est-ce que c'est suffisant pour respecter les édifices publics? Donc ce qui fait, je le redis, que l'acte pédagogique actuellement, qui est basé sur la mémorisation de l'acte religieux ou bien de l'acte civique, nous sommes en porte-à-faux de ce que nous devons faire. Alors, la réforme de l'école, un chantier trop grand, que faut-il? Comment elle se décline aujourd'hui? Nous sommes à l'approche des examens de fin d'année. Comment on s'y prépare également, monsieur Medjedi? D'abord, ce qui nous intéresse, qui intéresse madame la ministre et qui est issu de l'évaluation que nous avons faite, c'est la refonte pédagogique. L'école est à la base de tout. C'est la refonte pédagogique. Ça intéresse tout le monde. C'est un premier élément. Nous devons changer, révolutionner l'acte pédagogique de la classe. Nous devons changer la gouvernance, le mode de gouvernance. Ce sont deux éléments essentiels sur lesquels nous nous basons pour améliorer l'école. Alors cette réforme touchera tous les cycles, également le préscolaire, puisqu'il sera généralisé l'année prochaine. Effectivement. À tous les élèves. Nous allons le généraliser dans un objectif de 2017. Parce que nous avons déjà signé, madame la ministre a signé une convention avec le ministère des Affaires religieuses pour que les enfants qui sont dans les écoles coraniques soient initiés au socle commun du préscolaire. Alors, mais comment se décline cette réforme? Le primaire d'abord, le secondaire et le moyen après? Comment vous allez faire? Comment vous allez procéder, monsieur? Et est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de réformer notre école? Nous nous intéressons actuellement parce que nous en sommes convaincus que l'école primaire est l'élément essentiel sur lequel il faut commencer. Est-ce que l'école a une part de responsabilité dans cette violence aujourd'hui, monsieur? Je le dis, je vous l'ai déjà dit, que l'acte pédagogique est un élément... L'école est à la base de tout. Oui, je dis qu'on peut fabriquer la violence à l'école. On peut la fabriquer. L'acte pédagogique en classe, un enseignant qui passe son temps à écrire au tableau, avec 40 élèves derrière. Vous croyez que les enfants vont rester passifs? Donc l'acte, je dis bien que l'acte pédagogique en classe peut engendrer la violence. Alors, la réforme qui prend en compte tous ces aspects, comment vous allez faire, comment vous allez procéder? Est-ce qu'il y a le moyen aujourd'hui de rattraper le retard que nous avons accumulé? D'abord, nous allons poser les premiers jalons du changement à travers l'école primaire. Comme vous l'avez dit, nous allons vers la généralisation du préscolaire parce que ça constitue un élément d'équité. Si nous n'arrive pas à généraliser le préscolaire, nous allons avoir une école à deux vitesses. Nous allons commencer par la première année, la deuxième année primaire, parce que c'est à ce moment-là que les premiers apprentissages se font. Malheureusement, nous avons un embouteillage en deuxième année primaire. Nous avons beaucoup d'élèves qui ne sont pas encore arrivés à maîtriser les premiers éléments d'apprentissage. Tout cela, nous les avons évalués et nous allons mettre en place tous les éléments pour qu'aucun élève ne soit laissé sur le chemin. Alors, c'est à partir de la prochaine rentrée? 2016-2017. Actuellement, nous sommes en train de nous préparer les programmes, préparer le manuel unique. Un élève... Préparer surtout les enseignants? Effectivement, nous avons déjà commencé à les former pour qu'en 2016, nous sommes donnés du temps, pour qu'en 2016, en septembre 2016, tout le personnel concerné sera formé, il y aura les nouveaux manuels, les nouveaux programmes, les enseignants bien formés, les inspecteurs bien formés, et là, nous aurons une école de qualité. Alors, on reprend tout et on recommence, monsieur Seguin? Non, nous améliorons, nous corrigeons, nous régulons, mais nous ne recommençons pas à zéro. Mais est-ce que cette situation que nous vivons aujourd'hui au niveau de notre école est la conséquence des années où, par exemple, les recalés de l'éducation nationale étaient versés dans l'éducation ou dans l'enseignement? Je pense que c'est une étape que nous avons dépassée. Malheureusement, nous sommes en train de recruter des jeunes étudiants venant de l'université que nous ne formons pas. Mais nous sommes en train de mettre en place tout un dispositif de structure, de formation, pour que personne n'ira dans une classe d'enseignement sans passer par une structure de formation. Actuellement, nous avons beaucoup de jeunes que nous recrutons et que nous injectons directement dans les classes sans qu'ils aient
les éléments essentiels de formation. Alors nous sommes à quelques jours des examens de fin d'année, au mois de juin pratiquement, les trois cycles confondus, le bac blanc c'est le 17, tout est prêt au jour d'aujourd'hui, monsieur Msegum, tout, administrativement, nous sommes satisfaits, sur le plan logistique. Nous sommes satisfaits parce que nous terminons l'année scolaire correctement, les programmes pratiquement seront bouclés, le 17 mai ce sera le bac blanc. Donc, je pense que depuis plus de 7 ans, c'est la première fois que nos enfants, que nos élèves, que l'école algérienne est en train de passer, va passer les examens dans d'excellentes conditions, puisque pratiquement tous les programmes ont été exécutés. Tous les programmes. Malgré la grève qu'il y a eu. Malgré la grève, parce que nous avons fait un travail de régulation pour le troisième trimestre, nous avons allégé certains contenus et nous sommes en train d'évaluer la situation à travers le pays et pratiquement je peux vous certifier que les programmes seront bouclés avant le bac. Alors les examens de fin d'année porteront sur les cours dispensés à l'établissement, uniquement sur les cours qui ont été dispensés. Les inspecteurs ont évalué la situation et nous avons tous les éléments nous permettant d'élaborer les sujets qui ne porteront uniquement que sur les éléments qui ont été enseignés. Déjà, certains spéculent aujourd'hui, ils disent que le taux de réussite variera entre 45 et 50. Il n'excédera pas en tout cas les 55%. Est-ce que on peut déjà fixer le taux, c'est prématuré, ou alors on a une idée déjà, ou alors non, c'est pas du tout, c'est spéculatif. On ne spécule pas. Pour déstabiliser un peu peut-être certains élèves. Mais nous avons certains indicateurs qui nous permettent de dire que les résultats seront assez corrects, puisque je peux dire que le déroulement de l'année scolaire s'est fait malgré qu'il y ait eu ce mois de grève dans certains établissements. Je peux vous dire que pour le premier trimestre qui s'est déroulé correctement, l'indicateur du premier trimestre augure que nous aurons des résultats assez bons. Alors j'ai deux ou trois petites questions d'auditeurs qui nous ont contactés sur notre page Facebook. Alors un parent qui dit que l'éducation des élèves commence au domicile familial, c'est les parents n'arrivent plus à maîtriser leurs enfants, ce n'est pas à l'école qu'on peut redresser la situation. Seulement les enseignants, eux aussi ont leur part de responsabilité. Moi en tant que parent d'élève, j'ai dû intervenir à deux reprises auprès du directeur d'établissement. Il cite l'école, je ne citerai pas, contre une agression sur ma fille par deux professeurs avec des coups de règles sur la main. Ça continue à exister, ça, monsieur Msegum ? Oui, qu'il faudrait qu'il fasse ? Ça existe, mais s'il y a plainte des parents, soyez sûr et certain que cette plainte sera prise en charge, qu'il y aura une enquête, et s'il y a effectivement violence sur les élèves, cet acte sera sanctionné sévèrement tel que le prévoit la réglementation. Alors, c'est à notre parent qui soulève. Les parents ont une grande part de responsabilité. Ils doivent déposer plainte carrément. Ils ont une part de responsabilité dans les comportements de leurs enfants, qui sont souvent de vandalisme ou de raquettes ou de gangs qui se trouvent dans les établissements. Ils ne connaissent pas leurs enfants. Et l'école ne peut pas assurer à tout le monde cette sécurité. Alors, il y a une autre enseignante qui dit à ses élèves que toutes les femmes ou toutes les jeunes filles ou toutes les petites filles qui ne portent pas le hijab iront en enfer. Quel est votre commentaire sur cette question? Est-ce que c'est le rôle de l'enseignante? Je considère que c'est une déviance, une dérive qui doit être sévèrement sanctionnée. L'enseignante n'a pas à imposer ses opinions ou sa façon de voir les choses. Il y a un programme qui est d'éducation religieuse mais qui n'impose aucune façon de voir, il n'impose pas les choses et ses comportements, nous considérons qu'ils sont répréhensibles. Alors, autre question, j'ai mon fils qui s'est fait tirer les oreilles par son professeur, ensuite sa directrice le traumatisant physiquement et émotionnellement devant ses camarades. Il est en préadolescence et c'est difficile à gérer. Auprès de qui doit-on nous plaindre, d'autant que c'est une école privée? D'abord, il y a l'inspection académique, il y a la direction de l'éducation. Les parents peuvent déposer une plainte au niveau de la direction du service de la scolarité qui prendront le problème en charge. Alors, une autre auditrice qui me dit que le lycée Ibn Haytham, c'est à Ruisseau et non pas à UCND, je le sais, mais je parlais de la daïra du CND. Monsieur Djadim Msegum, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée.